C'est tout le monde, c'est Oris, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de notre Let's Play sur Pokémon Y, donc j'espère que vous allez tous bien. Toujours sur la même session de tournage en stream, donc il y a toujours Legend, Yul, Galos qui vient d'arriver, et il y a aussi Yubel qui est un petit peu dans l'ombre, voilà. Donc en tout cas j'espère que vous allez tous bien, et du coup on va aller voir le professeur Platane. Déjà pour qu'on fasse connaissance. Tu as dû faire un sacré bout de chemin. Oh, tu parles depuis le bourg croquis. Le professeur brûle de ton... J'en peux plus de m'attendre en fait. Il brûle la patience. Bienvenue au laboratoire du professeur Platane. Ok. D'accord. Attendez. Ça, non mais oui ça. Ah non, mais oui, là, qui est dans le cadre. Je rêve pas. Ou je rêve. Le professeur apprend plein de choses sur les Pokémon à plein de gens. Ok. Mais je veux pas, moi. On va regarder le premier étage. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est... Pour mieux s'entendre avec un Pokémon, rien de tel que de passer du temps en sa compagnie. D'accord, j'ai des Lux Ball gratos. Nickel. Le professeur poursuit des recherches sur l'évolution et la transformation. Il paraît qu'il a beaucoup appris à Sinnoh dans sa jeunesse à côté du professeur Sorbier. D'accord. Il existe des Pokémon mâles et des Pokémon femelles, et des Pokémon dont on n'arrive pas à déterminer le... D'accord. Parfois, les Pokémon mâles et femelles n'ont pas le même aspect. Ok. Et ça, apparemment, c'est depuis la 4G. Les Pokémon ont des mystérieux pouvoirs appelés talents. Waouh ! Incroyable. Il a quoi déjà Tension, je crois, dans le jeu. Ouais, la rivalité. Il paraît que effectuer des recherches sur un certain Pokémon, une télévision et un lave-vaisselle. Quoi? Pas de mutisme là, non? Ou c'est moi? Que la machine à laver. Ouais. Pourquoi je suis synchro avec mon Pokémon favori? J'ai des freins. Un peu étrange les dialogues. Moi je parle une Pokéball. Je suis en train de développer un outil qui me servira dans mes recherches. C'est un processus très difficile, cela risque de prendre beaucoup de temps. Ok. D'accord. Bah, du coup on va aller à l'étage. Et on va voir le Alphamoso Professeur Platane. Parfait, nous nous rencontrons enfin. Parfait, par ici, je te prie. Ok. J'arrive. Tu as rencontré 36 Pokémon dans le centre de Kalos. Tu as bien mérité un petit quelque chose. Incroyable. J'ai la... C'était faussage. Hop, et on va pas parler au professeur Platane. Merci encore d'avoir fait tout ce chemin depuis le bourg croquis. Le bout du monde. Le bout du monde. Et oh là là, tu pars dans des extrêmes là. On n'est pas au bout du monde, on est juste derrière Neuvertolt. Voilà. Appelle-moi Platane. Alors, comment trouves-tu les Pokémon? Le voyage, te plaît? Tu as beaucoup rencontré. Hein? Pas de cachotterie hein, entre nous. Laisse-moi regarder ton Pokédex. Intéressant, tu as vu 36 espèces de Pokémon dans le centre de Kalos. Incroyable. Eh ben, ça commence à se remplir doucement. Continue comme ça. Oh, je sens que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Mon intuition ne me trompe jamais. Je ne suis pas professeur pour rien. Au début, je faisais confiance à... Je pensais confier un Pokémon à un enfant de chaque ville de Kalos. Bourg croquis devait être la fille du vénérable de ma connaissance.
Et puis j'ai appris que Primula, le fameux jockey. Salut Cédric, comment vas-tu? De Rhinophéros emménage avec son fils. Le hasard est souvent à l'origine de plus grandes découvertes. Et quelle occasion, quelqu'un qui connaît absolument pas Kalos. Pas bien. Professeur, moi, c'est moi, Sana. Et il y a Serena. Je suis désolé de mon retard. Parfait, puisque vous êtes là, nous allons pouvoir faire un combat. Le sœur est un adversaire. Quoi? Bien. Pouvons-nous commencer? Oui. C'est exact. Attention, toutefois, je suis vraiment très mauvais. D'ailleurs. Quoi? Je crois que j'ai loupé un chapitre. Hop, on va mettre de l'info. Allez, c'est parti. Pour le combat entre Elianso et Bulle Bizarre. Aïe. Mais ça fait mal. Voilà, Bulle Bizarre. Était qui? Niveau 18 pour Elianso. Niveau 16 pour Riolu. Kerepus. Et ben Riolu. Et on va faire une petite attaque forte paume. De toute façon c'est sûr. Oula, il a réussi. Je pensais qu'il allait se faire one shot. Et voilà, ça qu'on veut. Ça la mèche. Et on va mettre pour les lanceaux parce qu'on veut pas. Corporal, faut le mettre. Hop, ça la mèche. Livre à quoi? Nickel. Et voilà. Nickel. Ah, j'ai perdu. Tu m'impressionnes vraiment. 1400 Pokédollars. Nickel. Mon esprit d'analyse a saisi les grandes lignes. Saisi les grandes lignes? De quoi? Maurice, tu es un dresseur qui sort de l'ordinaire. Prends-en mon intuition. Et j'ai dans l'idée qu'un Pokémon de plus ne te fera pas de mal à ton équipe. Choisis qui tu l'oses. Je pense que vous avez compris lequel on va prendre. N'est-ce pas? Du coup, on a le choix entre Salamèche, Carapuce et Bulle Bizarre. Si vous avez compris, j'ai un type feu. Donc c'est pas Salamèche. Et j'ai un type eau. C'est pas Carapuce. Et c'est bien Bulle Bizarre qu'on va prendre. Voilà. C'est Bulle Bizarre, bon choix, très bon choix. Veux-tu lui donner un surnom? Non. Ce n'est pas. C'est pas plus mal, je lui donne. Puisque tu as choisi Bulle Bizarre, voici la méga gemme qui va avec. Méga gemme? Florizarite? Quoi? Et vous deux, n'hésitez pas, ne faites pas vos timides, à votre tour de choisir un Pokémon sans vous battre. Je suis embêté, oh là là. Inutile de se précipiter, nous allons passer du temps ensemble, il vaut mieux ne pas se tromper. Parfait. J'ai l'intuition que toute la fine équipe sera bientôt au grand complet. Une intuition de ouf. Oh, tout le monde est déjà présent. Son monde a tout l'air. Parfait, mon intuition ne me trompe pas. Mais maintenant que tout le monde est là, je souhaiterais vous dire quelque chose. Je souhaite que vous deveniez des dresseurs d'exception. Que vous profitez de votre voyage avec les Pokémon.
et puis surtout, que vous m'aidiez à résoudre le grand mystère de Kalos. Le secret d'une nouvelle forme d'évolution, j'ai nommé la méga-évolution. D'où la méga-gemme donnée plus tôt, elle devrait constituer un bon indice. La méga-évolution, le Pokédex, tout cela... Trovato, mon petit, si compléter le Pokédex est ta définition de devenir meilleur dresseur possible, je t'en prie, ne te gêne pas. Mais j'ai entendu méga, et je ne sais pas ce que ça veut... Je sais que ça va me plaire. Si vous voulez en savoir plus sur les méga évolutions, je vous conseillerais de faire un tour à Fort Vanitas, qui est une ville pleine d'histoire et vous y trouverez sûrement des indices. J'ai toute votre attention. Pour remplir le Pokédex, il faut visiter le plus de lieux possible et donc rencontrer des gens qui pensent différemment ou des Pokémon à l'écologie inhabituelle. Si quelque chose que vous choque, au premier abord, ne le rejetez pas. Réfléchissez-y et vous verrez que vos horizons s'élargiront naturellement. Être différente, je sens que c'est cela qui fait toute ma valeur. C'est pour cela que les méga-évolutions m'intéressent tellement. Ok. C'est à toi, Sacha, comment vas-tu? Celui que j'ai chaud, c'est quoi ta team? Ma team est composée de Croporal, Réolou et Lionceau, et maintenant la magnifique Bulbizarre. Tout simplement. Là du coup on va descendre. Au rez-de-chaussée. Tout simplement. Hop. Alors, je vais enfin avoir le plaisir de les rencontrer. Parfaitement. Les enfants choisis, que dis-je, l'élu. Élu par le professeur. Quel potentiel relan. Donc c'est brillant, jeune. Voici un, je vous présente Brice. Par ici. Oui, c'est moi. Oui, vous cela, le professeur t'a confié un Pokédex. Voilà qui me réjouit. Tu ne peux imaginer la joie que me procure ta rencontre, jeune prodige. Je me nomme Lysandre. Afin d'assurer un brillant avenir à ce monde, j'ai poussé mon étude des Pokémon aussi loin que je le pouvais, sous la bienveillante férule du professeur. Et que vois-je? Ne serait pas là, nous le quitte. La formation c'est le pouvoir. Souviens-toi bien de cette maxime. Et mets-la à profit. Le monde ne devrait pas être meilleur et il se doit de devenir meilleur. Quoi? Fuck. Et pour la réalisation de cette grande cause, les élus humains et Pokémon doivent travailler ensemble, sans relâche. Veuillez m'excuser, le devoir m'appelle. Vous transmettez mes plus chaleureuses salutations, professeur. Je me suis mis à faire du Pokémon Showdown contre des... Attends... Montre... de tes Pokémon pour voir s'ils ont une bonne nature. Bon, je pense qu'ils ont pas une bonne nature. Mais quand même, qu'est-ce que c'est que ce monde plus beau dont il n'arrête pas de parler? Kalos est vaste et on y trouve plein de Pokémon différents. J'espère que le Pokédex te permettra d'en apprendre plus sur eux. Ok. C'est sûr que c'était pas un super-héros. Prisou, il y a un endroit que j'ai envie d'inspecter. On se retrouve plus tard, d'accord? Ok. Cher voisin, j'aimerais te parler de quelque chose. Pouvons-nous nous retrouver au Café Soleil? Ok. Je me demande bien ce dont Serena ne veut parler. Elle ne pouvait pas simplement passer par Hollow Kit. Tout le monde a le droit d'avoir des secrets, non? Bien sûr que je voudrais savoir de ce que c'est, mais je vais faire comme si j'avais rien entendu. Ok. Brissou,
Pour aller à Fort Vanitas, il suffit de prendre à gauche en sortant du labo. Ok. Et si tu peux passer au Café Soleil pour tes trucs secrets, c'est sur le même chemin. Clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. Qui a vraiment fait ça? Bon, je vais montrer mes Pokémon. Ah, c'est vrai, c'est même pour regarder les stats de Bulbizarre. Oh, il a pas l'air d'avoir une bonne nature. J'ai l'impression qu'il a une hausse d'attaque et une baisse de défense P. Il est mauvais. Ça sent pas bon. Du coup, la Foliane, Vampigraine, Régigissement et Charge. D'accord. Et Lionsuit, il est aride. Donc il est bon en attaque SP et en vitesse. Ah non, du coup il a une baisse d'attaque et une hausse de défense spéciale. Je pense. Donc Croaporal qui relaxe et Riolu qui est modeste. Ok. Salut à toi Ruta Studio. Comment vas-tu? Ruta ou Ruta? J'aime bien t'appeler Ruta. Ça fait so English. Illumis est absolument gigantesque. Mais on reste sur le grand boulevard. On risque pas de se perdre. Ok. Pour Vanitas et le Café Soleil sont tous les deux par ici. Ok. On va m'amener au studio vidéo. C'est de la merde. J'ai même pas envie d'y aller. Je l'ai jamais fait, mais j'ai pas envie d'y aller. Parce que ça sert à rien. Mais strictement rien. J'aurais de soigner mes Pokémon. Ding, 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 ding. Hop, nickel. Impeccable. Puis bizarre nature de merde, il faut l'inverser. Il faut la nature calme qui augmente la défense. Et bien sûr, nature neutre, c'est mieux qu'une nature qui baisse. Croporal nul et Riolu cool. Ok, bah en fait, il y a que... J'ai deux Pokémon qui puent la merde, quoi. Salut à Adrien. Et non, c'est une... un Nuzlocke random. C'est un Let's Play classique. T'as pas suivi le début de l'aventure. Du coup, le Café Soleil, il est pas où? Il est là. Je skip l'autre... Enfin, comment ça s'appelle, Sana ou ça? Je sais jamais. Est-ce que tu aurais un instant? Ah oui. C'est un spécial. Oh mon dieu. On dirait Monsieur Lissandre, mais... Qui est avec lui? Inter. C'est l'occasion de parfaire... Attends, c'est l'occasion de parfaire ta culture, alors. Monsieur Lissandre, il est un génie à la tête des laboratoires Lissandre. Waouh. Les producteurs de l'Holokit. Un appareil de communication vidéo. Yantea, tu dois la connaître. C'est l'une des actrices la plus populaire au monde. Je me demande bien ce qu'elle peut pouvoir faire. C'est bien. Votre premier rôle à l'écran m'a toujours fasciné. Cette toute jeune fille, si pure, fraîche, innocente. Fraîche. Fraîche. What? Que ne donnez-vous pas pour jouer ce genre de rôle en Corée encore? Mais je ne demanderai rien. Quelle étrange question. Jeunesse n'est pas forcément synonyme de beauté. Tout change, tout. Et j'ai hâte de découvrir les nouveaux rôles qui se présenteront alors que mon âge avance. Ouais, je me rappelle, j'avais un Lucario qui jouait spécial. Ma chère, vous vous fourvoyez, hein. Et votre responsabilité, vous vous devez d'être toujours belle en tant qu'actrice. Et si j'en avais le pouvoir, je désintégrerais ce monde en un instant pour que la beauté soit... C'est quoi son discours de balle? Il dit voilà, moi ce cher Brice,
Laissez-moi le plaisir de te présenter la délicieuse. J'en peux plus. La délicieuse gentille. L'actrice donc à l'os peut s'en... Oh. Oh là là, mais c'est quoi ce dialogue? C'est quoi ce dialogue à la... On dirait que l'essence, c'est un vieux beau. La délicieuse. Bien. Bonjour, vous êtes... Bonjour, je suis Serena et je vous présente Pris. Monsieur Lisson l'a dit tout à l'heure. Vos noms sont adorables. Comme vos Pokémon, je n'en doute pas. Je m'intéresse moi aussi aux Pokémon. J'espère avoir l'occasion de vous rencontrer un jour prochain pour faire un combat. TKT, t'inquiète pas. Quand on est dresseur, on doit se battre avec tout le monde, peu importe son niveau. J'imagine... Pardon, cher voisin, j'ai failli oublier ce que je voulais te dire. Voudrais-tu pas un peu de compétition pour savoir qui de nous deux est le plus fort? À peine arrivé à Bourg-Croquis, tu es parti en voyage. Nous n'avons même pas eu le temps de faire connaissance. Et entre voisins, un peu de rivalité, ça ne ferait pas de mal. Ok. Ça marche. Je préfère te prévenir, je vais être... que j'ai un excellent niveau. D'accord. Ok, bah pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, rien du tout. Hop. Et du coup, faut qu'on ait... J'avais reçu un message, je le quitte. Salut, c'est moi, je suis sur la route 5. La vache, les Pokémon sauvages, je viens de partout. Faut que tu viennes voir ça, en vitesse. Oh là là, c'est incroyable. Vous voyez, allez, j'ai ce coup de mettre 10 partout. Oh non, pas encore un relou. Bonjour mon frère. Oh non, pardon. Oh non, je skip. Je skip. Salut Néphélia. Oh non, pas ce relou. Comme leur nom le suggère, les auras attaquent renforcent l'attaque. Sans déconner. Sans déconner. Si tu m'aurais pas dit, j'aurais pas cru. Oh là là. Le début du jeu, ouais. Le mec, les auras d'attaque augmentent l'attaque. Bah c'est un peu le nom quoi. Oh là là. Ils me prennent vraiment pour des gamins. Ah. Lucario. Désolé. Entraîner deux Lucario ensemble, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de celui-là. Lucario, qu'est-ce qui te prend? Mais c'est le capitaine Obvious. C'est tellement ça. C'est à cause de ce dresseur qui a une aura spéciale. J'ai l'impression que t'as la cote avec mon Lucario. Qu'est-ce que t'en sais? Lucario est un Pokémon qui peut voir l'aura des gens et j'imagine que la tienne lui plaît bien. Il est toujours à se tirer la bourre avec mon autre Lucario. Peut-être qu'il attend juste de voir apparaître un bon dresseur comme toi. J'ai oublié de me présenter, pardon, je suis championne de Yann 13. Carolina. Cornelia. Qu'est-ce que je raconte moi? T'as l'air d'être du genre à collectionner les badges. Hein. Alors, mes patins me disent qu'on va se revoir à un moment ou à un autre. Ok. Ça marche. Et bah du coup les amis, c'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser pour cet épisode 6. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se dit à très bientôt. Portez-vous.